Bonjour mon cher loco, je suis très heureuse de recevoir nos vidéos et photos et de les analyser ensemble. Je serai également de mesure de les utiliser dans le cours en ligne en français sur Autophonie pour le franc palatine. Je viens de recevoir suffisamment de fonds du Smile Train pour réaliser ces vidéos et le cours en ligne. Cela veut dire que l'avenir des orthophonistes des pays francophones pourront voir les vidéos et faire le cours en français. Donc, avec votre patient de 19 ans, c'est un peu difficile à voir, mais il me semble que la jeune femme a une franc palatine ouvrée. Je vois que la lunette est fendue en deux, une lunette bifide, par une assez grande fente. Cela doit être réparé en première. Elle a l'articulation classique de la fente palatine avec beaucoup d'erreurs compensatoires. Elle a également un bon positionnement articulatoire pour les sons à haute pression, ça. Qu'elle produit sous forme de son analysé. Pour la pa, ma, ba, ma, ta, na, ka, nya, sa, ta, ici, ma, plus ou moins. Mais je pense que dans le discours connecté, elle a probablement tous les coups de glotte. Les forces de cette jeune femme sont qu'elle analysait beaucoup de son na, pour exemple, na pour ta, mi pour pi, ma pour pa, etc. Tout cela est bien parce que cela signifiait qu'elle a un bon placement articulatoire. Mais elle a aussi un certain nombre de coupes de clôtes. Oui. Maintenant, voici mes suggestions. Lorsque vous faites l'évaluation, faites le plus naturellement. Sinon, nous n'entendrons pas vraiment ce qu'elle fait dans son discours naturel. J'aime toujours entendre les patients compter de 1 à 10 ou de 1 à 20 parce que je peux entendre la plupart des sons à haute pression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bla bla bla. Lorsque vous demandez au patient de répéter la syllabe, faites-le plus naturellement et répétez chaque syllabe 3 fois. Cela signifie que répétez la pa pa pa, ta ta ta, qui, toutes les choses dans le screening, oui. Non comme pa, ni pa, 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 non, plus doux et plus naturel. Pa pa pa, de. La chose in le screening, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pa-pa-pa, pi-pi-pi, ta-ta-ta. Bon, tout, pa-pa-pa, patiente, pa-pa-pa, tout, pi-pi-pi, pi-pi-pi, ta-ta-ta, patiente, ta-ta-ta, ti-ti-ti, ti-ti-ti, assez. Bon, aussi, pardon. Assurez-vous qu'elle est prévue pour une chirurgie de front palatine. Si vous pouvez la voir, vous pouvez travailler sur l'augmentation de son placement, donc à lieu des coupes de glotte et analyser de la haute pression, donc à lieu de qui, elle dit ni ni ni, au lieu de ça, elle dit na na na, à lieu de quelqu'un. Hop, 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 où sont. Ici. Etc. Bon. J'aime beaucoup écouter la phrase
papi Pelle Lacroix à Paris et plus ou moins comme mamie Mélène et moi à Marie. C'est la négociation de la paix à aimer. Aussi, il y a la résonance hypernasalité. Bon, mais la jeune femme doit reçoit une chirurgie de front palatine et aussi la thérapie d'une personne experte comme toi. Bon, j'espère que ceci est utile. Je vais arriver au prochain patient sous peu. À bientôt. J'ai utilisé le Google Translate, mais je changeais beaucoup aussi et j'espère que c'est bon. Bon, à bientôt.